parti. Je vais donc vous présenter Boggle Flash, un jeu qui exploite la licence du fameux jeu de lettres Boggle, dans lequel on mélangeait 16 lettres et il fallait retrouver le maximum de mots. Boggle Flash est un jeu d'anagramme, tout simplement, avec 5 éléments qu'il faut mettre les uns à côté des autres en début de partie et qui communiquent. Il propose 3 modes de jeu. On va déjà voir le premier, il se joue tout seul. Le jeu propose 5 lettres. Le but, c'est de faire le maximum de mots de 3, 4 ou 5 lettres avec les boîtiers. Crève. Voilà. Olivier va nous aider. Moi, après, je fais mal à la manipulation. Donc, quand on fait un mot, qu'est-ce qu'il me fait? Il ne faut pas de jeter à côté. Voilà. Dans ces cas-là, il l'a compté. On va faire rêve. Non, il ne veut pas. Il a déjà dû le compter, en fait. Il l'a déjà compté. Voilà, à la fin du temps, à peu près 2 minutes, les boîtiers bipent, les petites horloges apparaissent. Il faut remettre les boîtiers côte à côte et il va nous afficher notre score. 3.1 sur un maximum possible de 5. Ça va, ça me rassure. Donc le deuxième mode se joue toujours en solo. Le boîtier fait apparaître 5 lettres. Il y a 5 lettres sur les boîtiers, il faut trouver un mot. Une fois qu'on l'a trouvé, on passe au mot suivant. Le but, c'est de trouver le maximum de mots dans le temps imparti. Toujours à peu près 2 minutes. Bon. Voilà. À la fin, il va nous montrer la solution qu'il fallait trouver. Ennui. Voilà. Il va ensuite nous afficher notre score, 3 points. Voilà. On a trouvé donc 3 mots pendant le temps imparti. Il ne va pas te proposer mon maximum de mots possible. Bah non, puisqu'il y en a tant qu'on trouve. D'accord. Oui, c'est tout à fait. Le troisième mode, pas besoin peut-être de le montrer, c'est comme le deuxième mode, sauf que c'est en multijoueur, c'est-à-dire que chacun son tour va se voir proposer 5 lettres, va devoir trouver un mot dans un temps minimum. Quand il a trouvé, il passe au suivant et ainsi de suite. Les joueurs, chaque fois qu'ils ne trouvent pas, sont éliminés. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un survivant. Voilà. Merci, Jérémy. C'était Boggle Flash. C'était Boggle Flash.